Chers conventionnistes, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Est-ce que vous n'êtes pas content qu'on ait choisi pour vous comme président? De nous rejoindre. Nous avons des invités qui sont arrivés pour lesquels je vais demander une ovation spéciale et particulière. Alors, camarades, d'après, à l'heure de la nouvelle génération, nous avons une manière particulière de saluer nos invités et je vais demander donc au public d'ici de donner la marque des millions de nouvelles générations. Qu'on salue la présence ici du ministre Hubert Houlaye. Le ministre Hubert Houlaye est président du comité de contrôle du FPI. Rien que ça. Lui, il a une relation particulière avec l'argent. Il a géré nos billets de banque à la BCAO. J'ai le plaisir, l'honneur de présenter M. Philippe Armand Takouri Tabli, gouverneur de la BCAO. J'ai pas entendu. Philippe Henri Takouri Tabli, s'il vous plaît. Philippe Henri Takouri Tabli, on parle de quoi? Vice-président du FPI, je voudrais qu'on salue M. Thierry Jean Gervais. Une force tranquille. Une force tranquille. Une force tranquille. Ah. Ce dont je vais parler, j'ai su une anecdote qui me fait beaucoup plaisir. C'est que pendant que le pouvoir, enfin ce qu'on appelle pouvoir ici en Côte d'Ivoire, tente de le matérialiser à Bouna, c'est en ce moment qu'il a été admis à son agrégation. Vous voyez l'agrégé qui est en prison. C'est cela qui dénote du pouvoir auquel on a affaire. Je voudrais qu'on se tienne debout et qu'on ovationne le professeur, le ministre Georges Armand Wonyen. Georges
Charmant revient. Cette convention est le président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Certains ne savent pas comment l'a créé l'AME, ils veulent s'en occuper. Il était le dernier ministre de Laurent Gbagbo qui s'occupait de l'AME, s'il vous plaît. Paul Sagan. Notre programme va prendre maintenant l'inclination suivante. On va procéder à la lecture de la motion par le secrétaire général adjoint, le docteur Kouassi, à qui je demande de faire l'ovation. Motion de soutien au camarade Stéphane Kipri, président de l'Union des Nouvelles Générations. Nous, vice-présidents de l'Union des Nouvelles Générations, membres du secrétariat général de l'Union des Nouvelles Générations, délégués départementaux de l'Union des Nouvelles Générations, délégués extérieurs de l'Union des Nouvelles Générations, délégués principaux des jeunes des délégations extérieures de l'Union des Nouvelles Générations, délégués principaux des femmes des délégations extérieures de l'Union des Nouvelles Générations, délégués principaux des femmes des délégations au plan national, responsables nationaux et membres des structures spécialisées de l'Union des Nouvelles Générations, Union des Jeunes des Nouvelles Générations, Union des Femmes des Nouvelles Générations, Union des Structures Socio-Professionnelles des Nouvelles Générations, réunies en Convention Nationale les 8 et 9 août 2020 à Yamoussoukro, adressant la présente motion de soutien au président Stéphane Kipri, dont la teneur suit. Considérant la justesse de tes décisions, ainsi que tes actions, faisant de toi un leader politique avisé, prenant la pleine mesure des défis et des enjeux du moment et du futur. Considérant la constance de tes valeurs de solidarité, de justice sociale, de démocratie et de promotion de l'intérêt général qui convient à bien des égards. Considérant ta détermination d'engager notre parti dans les compétitions électorales à venir, détermination réaffirmée lors des dernières sessions du secrétariat général extraordinaire des mois de mai et juin 2020. Vu que l'union des nouvelles générations dans l'union et la cohésion se donne de plus en plus le moyen de son ancrage au sein de la société ivoirienne, réaffirmons solennellement notre loyauté, notre fidélité, ainsi que notre indéfectible attachement à ton endroit dans la conduite éclairée de notre parti. Adressons nos sincères remerciements à toutes les instances du parti pour leur engagement auprès de toi malgré toutes ces années d'exil forcé du fait du pouvoir actuel qui est incontestablement en plein de règne. Souhaitons ton retour imminent en Côte d'Ivoire sur la terre de tes ancêtres pour l'amplification du combat de la dignité, de la liberté et de la restauration de la démocratie à tes côtés pour une union des nouvelles générations plus forte et une Côte d'Ivoire plus rayonnante. Fait à Abidjan le 9 août 2020, la Convention nationale. La lecture des résolutions par le VP Boui. Merci, camarades délégués. Merci beaucoup pour le travail que vous avez abattu. Aussi, je voulais saluer donc nos heureux invités. Au nom du président Stéphane Kipri, au nom de tous les conventionnistes, messieurs les vice-présidents,
Monsieur le Président du contrôle, du Comité de contrôle du Fonds populaire ivoirien, Monsieur le Gouverneur, Monsieur l'invité spécial, vous remercie d'être là ce matin. Nous sommes très heureux et nous comprenons donc l'expression de votre présence. C'est l'attachement à notre parti, l'attachement à notre président, mais également l'attachement aux valeurs que nous défendons ensemble autour du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Au terme donc de nos travaux, nous avons isolé 5 résolutions pour donc sanctionner les travaux en commission. Nous allons faire donc lecture de ces 5 résolutions. La première, c'est la résolution relative à la violation de la Constitution par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations constate qu'en dépit de la Constitution qui le lui interdit, le président de la République, M. Alassane Ouattara, a décidé de débuter un troisième mandat. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations exprime sa vive inquiétude face à cette énième violation de notre loi fondamentale par le pouvoir et constate que cette dernière laisse planer un doute considérable sur la crédibilité du scrutin présidentiel d'octobre 2020. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations dénonce vigoureusement cet acte illégal, anticonstitutionnel et mise quant à l'indépendance de la Commission électorale indépendante, la CEI, et du Conseil constitutionnel, organe en charge des élections dans notre pays. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations instruit, par conséquent, le secrétariat général du parti a le fait de rencontrer tous les partis politiques de l'opposition et les candidats déclarés à la présidentielle d'octobre 2020 dans les plus brefs délais, a le fait d'échanger avec ceux-ci et de favoriser la naissance d'une stratégie commune pour préserver notre pays d'une autre crise post-électorale. Faire à Yamoussoukro, le 9 août 2020, la Convention. La deuxième résolution est relative à la désignation du candidat de l'ING à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations relativement à la désignation du candidat de l'Union des Nouvelles Générations à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, les délégués ont participé à un scrutin secret. Ainsi, sur 301 inscrits, il y a eu 301 votes, 299 suffrages exprimés et 2 bulletins nuls. Le candidat unique, Laurent Gbagbo, a obtenu 299 voix, soit 99,34%. Merci.
la convention demande au président du parti de prendre toutes les mesures indispensables pour informer solennellement l'opinion publique nationale et internationale du choix de l'Union des Nouvelles Générations et ainsi organiser une vaste campagne nationale pour la collecte des parrainages citoyens nécessaires à sa candidature. Fait à Yamoussoukro, le 9 août 2020, la Convention nationale. La troisième résolution, résolution relative au mandat de la Convention au secrétaire général du parti. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations constate que les différentes tentatives de fraude du parti au pouvoir font planer un grand doute sur la crédibilité de l'élection présidentielle de 2020. La Convention de l'Union des Générations constate que ces différentes tentatives entraînent une fluctuation et une évolution permanente de l'actualité politique dans notre pays, qui peuvent justifier un ajustement de notre stratégie électorale et des décisions précédemment arrêtées. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations constate que, dans de telles conditions, il est matériellement impossible de tenir une convention avant l'élection présidentielle prévue pour le 31 octobre 2020. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations donne par conséquent mandat au secrétaire général du parti pour prendre toutes les décisions rendues nécessaires par la défense et la préservation des intérêts de la Côte d'Ivoire, de son peuple et de notre parti politique dans le cadre exclusif de l'élection présidentielle à venir. Faites à Yamoussoukro le 9 août 2020 la convention. La quatrième résolution, elle est relative au retour en Côte d'Ivoire des réfugiés et exilés politiques. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations considère que le parti, lors de sa convention de Yamoussoukro, a fait le choix de son candidat à l'élection présidentielle de 2020 et a réaffirmé sa volonté de participer à toutes les élections locales à venir. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations considérant qu'il existe encore à ce jour des militants et responsables du parti en exil, la Convention de l'Union des Nouvelles Générations considérant qu'il est impérieux pour le parti de mobiliser tous ses militants et cadres à l'effet de mener les campagnes électorales présidentielles et locales à venir, la Convention de l'Union des Nouvelles Générations instruit incessamment le secrétaire général du parti de prendre toutes les dispositions nécessaires pour favoriser, dans les plus brefs délais, le retour de tous les camarades et militants du parti encore en exil. Fait à Yamoussoukro, le 9 août 2020, la convention. La cinquième et dernière résolution est relative à la poursuite des opérations électorales au niveau interne. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations endosse entièrement la décision du secrétaire général relative à la participation du parti aux élections locales à venir, municipales, législatives, régionales et sénatoriales. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations invite, par conséquent, le secrétaire général du parti à prendre toutes les dispositions relatives à la désignation et à l'investiture des candidats relativement aux élections locales. La Convention de l'Union des Nouvelles Générations recommande, à cet effet, la mise en place d'une commission nationale électorale, dite la CNE, aux fins de définir les profils de nos candidats, identifier les circonscriptions et à élaborer la stratégie électorale adéquate. Fait à Yamoussoukro, le 9 août 2020, la convention. Merci. Innovation pour le groupe Adobomi. Alors, cette dernière lecture laisse un résumé que je vous retourne bien sûr. C'est ce que je dois retenir, la candidature du président Laurent Gbagbo, qu'on doit saluer encore plus fort. J'appelle notamment pour m'attendre le temps
allons maintenant passer à un moment important et solennel, étant entendu que le PSK depuis Paris s'adresse maintenant aux délégués et aux commissionnistes. Je vous demande d'être attentionné parce que le message est grand, il est lourd et il est poignant. Kaba Bobby Polado, président de la 4e convention entre les nouvelles générations, je vous ai dit ça. Kaba Bobby Polado, président de la 4e convention ordinaire de l'Union des nouvelles générations, je voudrais te saluer et te dire merci. Merci d'avoir conduit cette convention à son terme. Je voudrais saluer aussi le comité d'organisation et vous dire merci, présidé par la vice-présidente Adila. Merci pour ce temps que vous avez accordé pour l'organisation de cette convention. Je voudrais maintenant m'adresser aux conventionnistes, chers délégués, chers amis. Je voudrais vous dire merci. Merci parce qu'au terme de cette convention, le parti a porté son choix sur le président Laurent Gbagbo comme notre candidat pour l'élection présidentielle. Dans mon discours introductif, je vous l'avais proposé, ainsi que les trois quarts du secrétaire général. Vous nous avez fait confiance. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que ce choix devient notre choix. Le président Laurent Gbagbo devient le candidat de l'Union des nouvelles générations. Nous l'avons choisi parce qu'il est celui qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. Nous l'avons choisi parce qu'il est celui qui peut rebâtir la cohésion sociale dans ce pays. Et pour pouvoir bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, il faut la bâtir sur une Côte d'Ivoire réconciliée. Voilà pourquoi ce choix est le bon choix pour la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir fait confiance. Parce que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai eu besoin de vous, je partais vers vous pour vous demander votre confiance. Voilà maintenant 13 ans que vous me faites confiance. Merci encore une fois. Je ne saurais trahir cette confiance. Je ne saurais trahir la confiance que tous les délégués, tous les militants de l'Union des nouvelles générations me font depuis 13 ans. À partir d'aujourd'hui, nous devons savoir que notre parti a un candidat pour une élection présidentielle qui va se dérouler dans un peu moins de 3 mois. En partant de cette convention, chacun d'entre nous doit aller faire la promotion de notre candidat dans les cellules, dans les comités de base, dans les sections, dans les délégations départementales, à l'extérieur du pays. Parce que nous avons fait le choix pour sauver la Côte d'Ivoire. Et nous devons faire la promotion de ce choix. Nous devons faire recueillir les parrainages pour notre choix. Nous devons mener le combat afin que ce choix puisse aboutir dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a assez souffert. Voilà maintenant 10 ans que la Côte d'Ivoire est entre déchirée. Et nous devons ensemble reconstruire cette Côte d'Ivoire-là avec notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Merci. Je voudrais vous dire que dans la lecture des motions, j'ai écouté le retour des exilés demandé pour pouvoir mener le combat. Vous pouvez compter aussi sur moi. Je ne saurais envoyer les militants, je ne saurais envoyer nos troupes sur le terrain et rester en dehors. Voilà pourquoi, très bientôt, je serai avec vous, au devant de vous, pour pouvoir mener ce combat-là, cette bataille pour la Côte d'Ivoire. Nous devons la mener ensemble. Et je voudrais vous le dire que très bientôt, nous serons avec vous pour pouvoir mener cette bataille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le retour de tout un chacun dans vos différents comités de base, dans vos différentes maisons. Et nous devons continuer de rester debout. Si je suis encore debout, c'est parce que vous êtes debout pour moi. Si je suis encore debout, c'est parce que vous me faites confiance. Et je voudrais, en ce jour, pendant que nous sommes en train de clôturer cette convention, vous dire merci. Je ne suis que votre serviteur. Je ne suis que celui que vous avez décidé que je sois politiquement. Et je voudrais qu'on puisse repartir ensemble, les mains dans la main, les liens resserrés pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de jouer notre part. Et cette part-là, nous la mènerons jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Union des nouvelles générations. Que Dieu bénisse notre candidat, le président Laurent Gbagbo, pour cette élection. Et ensemble, menons le combat dans la grande coalition, dans la grande famille EDS pour sauver la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Alors, on est assis pour acclamer le PSK. On est assis pour acclamer le PSK.
Merci. Le Seigneur bénit. La suite. Quand on entend un pareil discours, qu'on ne peut être que en joie et regaillardie, et savoir que le meilleur est à venir. Je parle sous le contrôle de nos huit invités, et je vais demander aux plus illustres d'entre eux de me rejoindre. Je parle du professeur le ministre Georges Armand Bonien, président des EDS, invité spécial de cette cérémonie, qui a maintenant dit son mot. Et c'est ce que je vais faire. Monsieur le Président Stéphane Kipré, je sais qu'il nous entend et qu'il nous voit. Monsieur le Président de la Convention, Paul Arnaud Bowie, chers conventionnistes UNG, je voudrais vous réitérer toute ma joie et toute ma fierté d'avoir été ici présent pour assister à cette convention qui a permis la désignation du président Laurent Gbagbo comme votre candidat. Merci. Merci à Stéphane Kipré, président Stéphane Kipré. J'aurais ici, hier je l'ai fait, mais je refais, lui rendre un hommage particulièrement mérité. Le président Stéphane Kipré, qui est membre fondateur de l'EDS, troisième vice-président, en charge de la diaspora. Et je voudrais dire ici tout ce qu'il a fait au niveau de la diaspora, au niveau de la plateforme, au niveau de la direction de l'EDS. Je voudrais lui rendre hommage et lui dire merci. Il a fait beaucoup, il continue de faire beaucoup. Il a fait beaucoup aussi parce que, même absent, il est présent à travers son parti. Et je vous remercie. Chers congressistes, et votre président l'a dit, vous avez désigné le président Laurent Gbagbo comme votre candidat. Et vous avez fait le bon choix. Le bon choix. Je peux vous demander. À la suite, votre président, parce que ce n'est pas tout de s'arrêter à la convention, il faut maintenant aller partout, proclamer partout que Laurent Gbagbo est le candidat de l'UNG, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Allez dans les plus petits hameaux, proclamer que Laurent Gbagbo arrive, il est le candidat. Mais il n'est pas que le candidat, il est le candidat que nous avons porté au pouvoir. Afin qu'au soir du 31 octobre 2020, dans l'allégresse, dans la joie, dans la fraternité, dans la solidarité, nous puissions fêter le retour au palais présidentiel du président Laurent Gbagbo. D'abord, nous allons commencer par l'accueillir, parce que très bientôt il viendra. Très bientôt il viendra et lui-même vous dira oui, merci, je suis avec vous. Et lui-même aussi conduira les troupes jusqu'à la victoire. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance à votre parti, à votre grand parti. Et je l'ai dit hier, qui est extrêmement important sur l'échiquier politique ivoirien. Merci. Concernant le troisième mandat, vous l'avez dit, j'ai eu dans votre motion, le mandat du chef de l'État sortant. Il est bien évident qu'avec les autres partis politiques au sein de notre plateforme et avec les autres partis alliés et avec tous les Ivoiriens, nous dirons non à ce troisième mandat à M. Alassane Ouattara. Nous arrivons à la violation de la Constitution, à la énième, la violation du trop. Trop, c'est trop. Nous n'acceptons pas. Les Ivoiriens n'acceptent pas. Je ne dirais même pas les partis politiques, tous les Ivoiriens. N'accepte pas, d'ici et d'ailleurs, n'accepte pas. Il faut qu'il le comprenne. Et j'espère qu'il comprendra dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Je vous fais confiance, chers amis. Je vous fais confiance. C'est nous tous qui devons aller au-devant. C'est nous tous qui devons, je le répète, dans l'allégresse,
porter le Rhum à bout au pouvoir. On va parler aussi de la liste électorale, son absence de la liste électorale. Je vous dis, soyez confiants. Nous faisons confiance au droit, nous faisons confiance à la justice. Les techniciens font leur travail, mais je peux vous assurer que Laurent Gbagbo sera sur la liste. Vous rentrez chez vous, et je le dis, portez la bonne nouvelle. Laurent Gbagbo arrive, Laurent Gbagbo sera candidat, Laurent Gbagbo sera le reviendra le président. Et je voudrais dire sincèrement, profitez de cette antenne, cette tribune, pour adresser un mot aux tenants actuels du pouvoir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que c'est la peur qui fait. N'ayez pas peur. Laurent Gbagbo va revenir, il ne refera rien. Je l'ai dit, Laurent Gbagbo n'a aucune haine, aucune rancune dans le cœur. Laurent Gbagbo ne refera rien. Qu'il se rassure. Si c'est ça qui leur fait peur, il faut leur dire peur partout. N'ayez pas peur. Laurent Gbagbo vient pour la réconciliation des Ivoiriens. Laurent Gbagbo vient pour la stabilité, la paix véritable en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est pour la Côte d'Ivoire, pour voir la Côte d'Ivoire détruite. Alors n'ayez pas peur. Ensemble, nous au pouvoir, Gbagbo et Laurent au pouvoir, eux dans l'opposition, ensemble nous allons diriger ce pays. Il faut que ça soit fini pour nous. Et c'est terminé pour nous. Le 31 octobre, c'est fini. Il faut que ça soit fini. Il faut qu'il le sache, c'est terminé. C'est fini. Dites c'est fini. C'est fini. Nous allons reprendre le pouvoir avec le Rhum Gbagbo. Et dans la paix, dans la solidarité, dans la fraternité, je répète, nous au pouvoir, Gbagbo le grand pouvoir, eux à l'opposition, nous allons diriger ce pays pour l'avenir, et afin de garantir un avenir radieux, lumineux à toutes les générations présentes et futures de la Côte d'Ivoire. Le professeur Georges Armand Ollier, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Je pense que le professeur n'a pas eu assez d'ovation. Enfin, c'est mon avis. Dites-moi comment ça coûte du RPO, vous allez applaudir encore. Cette quatrième convention tire vers sa fin. Si on tire donc vers sa fin, je vais demander au président de la convention, celui qui nous a invités ici, de venir donc clôturer ce grand moment historique pour lequel Laurent Gbagbo nous entend. Il est content là-bas, le PSK aussi. VP. Je voudrais, à cette tribune, féliciter les délégués, les conventionnistes. Féliciter les vice-présidents, le secrétaire général, avec à leur tête le secrétaire général. Je voulais également féliciter les jeunes, les femmes, les militants et les militantes qui sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Dis merci également à la presse. Merci à ce que vous portez loin nos voix. Merci beaucoup. Dis merci également aux forces de l'ordre qui ont encadré cette cérémonie pour que ça se passe dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci au comité d'organisation, avec à sa tête la vice-présidente Adela. Salut également les membres du bureau de la convention. Merci Dr Kwasi, merci VP Keita Fallon, merci SN Loré, merci Dr Badiou Georges. Merci beaucoup. Aussi, je voulais donc dire merci à nos alliés du Front populaire ivoirien qui, depuis hier, sont à nos côtés. Aujourd'hui, encore une forte délégation avec à sa tête le ministre Hubert Houllin, président du comité de contrôle du FPI. Le gouverneur Philippe-André Dapoué-Tabré, qui est
membre influent du conseil politique du Front populaire ivoirien, qui a bien voulu être là ce matin également pour nous saluer, pour apprécier notre démarche. Je voulais dire merci à tous ceux, toutes ces personnes. Au VP, qui est Jean Gervais également, qui est là depuis hier et qui est également là ce matin. Et puis, dire merci à l'invité spécial, au professeur Georges Amaoui, qui ne cesse depuis déjà, je vais dire, des dizaines d'années, parce qu'il était membre du dernier gouvernement du président Gbagbo, à être au devant du combat. Aujourd'hui encore, il est avec nous, il est avec le président Gbagbo. Il a accepté d'être l'invité spécial. Merci beaucoup. Merci, président. Voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne les remerciements. Maintenant, je voulais vous dire, au nom du président Stéphane Kikoli, au nom de tous les militants qui ne sont pas là ou qui sont là, de merci infiniment et déclarer ainsi close la 4e convention ordinaire des lumières des nouvelles générations pour l'année 2020. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers invités, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Vous restez en place, vous restez en place. Les conventionnistes, vous restez en place. Bon, vous vous souvenez que hier, quand on démarrait, nous avions entamé l'hymne qui nous unit tous. Je vous prie de vous tenir.